Salut les stations fréquences, les bonnes sur 13, c'est compté à vous tous de la part de Dandy 33. Et c'est parti pour le QSO du canal 27. Donc, comme d'habitude, une petite vidéo pour commencer. On est donc le samedi 30 janvier 2016. Et en avant. Salut Rémi, ben alors qu'est-ce que t'as fait de ta famille la chauffeurette? Ah ben oui, t'as raison. J'étais en train de me dire, je manque d'aspiration sur le coup. Ah, chie trois coups, les bonnes 73, comment vas-tu? Salut les invités, salut tout le monde, je salue tout le monde, salut Rémi, bonjour madame, et puis voilà, je te redonne la main. Ok, bon j'ai eu Florent Chameau tout à l'heure, là il est au pro, il essaiera de venir faire un petit break là, s'il peut, pas évident, on verra bien. Ok, il n'y a pas de souci, pas de problème. Voilà, je viens de marquer là sur le forum comme sur Facebook, c'est parti. Bon, cette semaine, as-tu fait quelques beaux contacts en fréquence? Pas du tout, non, parce que j'étais malade cette semaine, donc, enfin, j'ai toujours, mais j'ai pas fait beaucoup de radio. Ouais, c'est vrai, je me demandais si c'est toi qui parlais du nez ou si c'est moi qui étais décalé en fréquence. Hachi! Non, mais c'est pas à ce niveau-là, mais je peux pas te l'expliquer là. Non, 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 c'est bon, non, non, c'est pas la peine. Bon alors, est-ce qu'il y a du monde qui est là, qui est présent, qui veut rentrer dans le QSO? Si c'est le cas, en avant. Ouais, bonjour Dandy, bonjour. Excusez-moi. De Jean-Paul Saint-Emilion. Les 73, j'espère que j'ai sûrement dû le pas Eric. Non, ok, c'est bon. Les bonnes 73, Jean-Paul, voilà. Ah oui, tiens, pendant que j'y pense, non, c'est pas pour toi. Alors, les stations en fréquence qui vont écouter cette vidéo. Alors, la vidéo n'est pas le QSO d'une seule personne, n'est pas le QSO d'une seule région non plus. C'est à chaque personne dans chaque région de se motiver, de lancer le QSO, de faire venir des gens dessus, et ainsi de suite, pour que ce soit de plus en plus QRO sur l'ensemble de la France. Voilà, c'est un petit rappel suite à des messages que j'ai vus sur Facebook. Comme par exemple, hier soir, ben, j'étais au pro. Ben, j'ai vu des messages d'Andy Lo Pro, il n'y a personne en fréquence. Eh merde, moi je suis pour rien. C'est voilà, à tout le monde de lancer le QSO. C'est le QSO appartient à tout le monde. Voilà, Hachi. Les 2073 Jean-Paul, en espérant que la santé va bien. Oui, Eric. Ou quelqu'un d'autre, parce que apparemment, il n'y a pas grand monde. On a vu un peu les messages un peu sur Facebook pour la grande réunion de Siby, mais je m'aperçois que ou alors ils sont en train de dormir, ou alors ils n'ont pas fini de casser la croûte. Ah, il y a peut-être ça aussi, hein. C'est vrai que pour certains, 21h, ça fait trop tôt. Pour d'autres, 21h, ça fait trop tard.
puisque ce matin j'ai discuté avec un OM là, en sortant du pro, lui s'en va à 8h, enfin à 20h au 144. Donc forcément, c'est, je comprends la difficulté après là, pour être présent là, sur les QSO du canal 27. Et, on démarre juste, hein, c'est un petit peu diesel, quoi. Et puis de toute façon, en plus, vu la météo qu'il y a dehors, ça donne pas vraiment envie tout court, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai qu'aussi, il y a un autre QSO, il y a d'autres QSO qui se sont montés en fréquence, là, sur le 745, un peu après le 19, il y a un autre qui s'est monté et qui a l'air de bien marcher, mon frère, il a l'air d'avoir du monde. Donc, Hop, là, il y a une coupure. Ouais, affirmatif, apparemment Jean-Paul a eu une coupure. Bon, ben s'il y a d'autres QSO qui se sont montés, ben tant mieux, ça prouve au moins que ça fonctionne. C'est pas grave ça, s'il y a d'autres QSO qui se montent, bien au contraire, hein, il n'y a pas que le QSO du canal 27. Hein. Si le QSO du canal 27 motive d'autres QSO un petit peu par ailleurs, et bien pourquoi pas, hein, bien au contraire. Hein. Plus on occupera la France, hein, plus on occupera la fréquence, et mieux ça sera pour nous tous concernant la bande du 27 mégas vis-à-vis de l'État. Là, voilà. C'est surtout ça, quoi. Montrer qu'on est vraiment bien présent sur le 27 mégas, que cette bande de fréquence ne peut pas être réutilisée par des professionnels, par exemple, qu'on est bien là, quoi. Donc la multiplication des QSO à droite à gauche, au contraire, hein, c'est que mieux pour nous tous, hein. Oui, Eric. Le pro, ceci, cela, le petit train-train habituel, quoi. Plus la météo qui est pas au top. Et tiens, à propos de météo, t'as vu, Eric, là, on a à peu près, on va dire comme ça, la louche, un mois et demi de retard, là, au niveau météo, au niveau, là, pour l'hiver. Eh bien, c'est quand? C'est hier. J'ai vu à la télé, c'est les grues qui sont de retour sur le sud de la France, avec, elles, par contre, un mois de retard. Qu'est-ce qui nous reste, là, pour l'hiver? Je vois pas trop, là, hachis. J'ai entendu un break, oui, il y avait un break. Un mois de retard, c'est moi qui ai en retard, un mois d'avance. Bon, moi j'ai mon YL, la voix des ondes qui est là pour me rappeler à l'ordre. Hachi. Salut, Florian, les amitiés, je pense que c'est toi que j'ai reconnu, oui, un petit peu, bah, c'était un petit peu décalé, oui. Voilà, et les amitiés, voilà, il n'y a pas de souci. J'espère que tu vas bien, là, il y a Gandhi, Jean-Paul, qui sont avec moi aussi, voilà, je retourne le micro, vas-y, Rémi. Ok, mais pour moi, ouais, c'est un vrai blanc que j'ai pris, là. non, hélas, je n'entends pas. Pour arriver à l'entendre, Florian, il faudrait que je monte sur la colline, là, que je me mette en mode expédition. Mais le problème, c'est que là, il pleut de mon côté. Alors, monter là-haut sur la colline, monter, mettre l'antenne en place et tout, sous la flotte, j'ai pas vraiment envie, quoi. Alors, je sais pas si lui, par contre, m'entend, mais les modes 73-51, toi, Florian, content de te compter parmi nous. Voilà, retour Florian si tu m'entends, si c'est pas le cas, retour sur toi Eric. Ouais, j'en pose de retour avec l'autre poste. Hein. Ok. Ouais, je crois que vous avez parlé tous en même temps. Je sais pas si c'est Jean-Paul qui a parlé ou Rémi, vas-y à toi. Ouais, retour sur Jean-Paul. Ouais, ok. Ok, oui, c'est moi qui ai dit retour. J'ai changé de poste, j'ai posé le RTI et j'ai pris l'ICOM. Voilà, donc.
heures du matin, ben, un peu mieux. Ah, y a pas de problème, hein, c'est impeccable, y a pas de soucis. Hein. Ouais, oh, mais pourtant l'antenne est qu'à 7 mètres, hein, 7 mètres du sol. Voilà, c'est celui que je me sers en principe maintenant presque tous les jours. Le canouze, ben, je le garde quand il y aura de la propagation parce que j'ai l'horizontale dessus et vu qu'il n'y a pas trop de propagation, ben, je me sers de celui-ci. Voilà. Je ne sais pas s'il y a Florian derrière. Florian, est-ce que tu écoutes? Florian, est-ce que tu reçois Jean-Paul? Tu l'as reçu, Jean-Paul, hein, Florian? Non, pas du tout, du tout. Pourtant, j'ai mis l'ampli de réception, mais je ne l'ai pas entendu. Pas moi. Je ne sais pas si Dendy l'a entendu, mais moi, je n'entends pas. Non, rien de mon côté. Il va falloir que tu montes l'antenne, hein, Florian. Fabrice. Oh non, pas Fabrice. Ah. Il y a quelqu'un qui a parlé en tout cas. Ouais, mais je pense que c'était peut-être pas sur cette fréquence-là, je sais pas. Voilà, donc tu enverras une amitié pour moi, Florent, il n'y a pas de problème. Hein. Moi je n'entends pas, j'ai entendu une fois dans la semaine, mais comme j'étais pas trop bien, j'ai pas fait. Un peu le matin ou un peu l'après-midi, mais très très rarement. Voilà, je t'ai écouté un peu le matin, mais comme toi aussi, tu t'en allais très vite, donc c'était pas évident. Voilà, donc retour à toi, Dendy. Moi, tu m'entendais, Jean-Paul? Oh, pas de problème, hein, pas de problème. Je t'entends comme si tu étais devant ma porte. Ah oui, non, mais ce que je voulais te dire, dans la semaine, t'as pas dû m'entendre beaucoup cette semaine, hein? Ben écoute, j'ai les grecs qui se lèvent de bonne heure pour aller travailler à la vigne, malgré le beau temps, je t'ai entendu juste de passage, bonjour, bonsoir, je m'en vais, voilà, donc j'ai t'ai entendu une ou deux fois, je crois, ou trois, je sais pas trop. Et puis, comme la conversation ne m'intéressait pas, ben, je suis parti. Ok, ouais, parce que toi, tu m'entends deux fois, ouais, parce que cette semaine, là, j'ai fait une seule apparition, j'étais malade, moi aussi. Hein. Ouais. Ouais, ok, ben, ça va, je vois qu'on pourrait se donner la main. Moi, j'ai été malade, j'ai été deux fois à l'hôpital, le docteur, les antibiotiques, enfin bon, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais. Et, principalement, ils n'ont pas trouvé. Alors, pour l'instant, ben, écoute, ça restera comme ça. Voilà, bien obligé, alors je sais pas, on va retourner le micro au chef de file pour qu'il nous dise, ou alors qu'il essaye d'appeler quelqu'un. Voilà, retour lundi. Alors, ben, ça tombe bien. Christian, chef de file. Eh, il n'y a pas de chef ici, hein. On est tous au même niveau. Hachi. Alors, ça tombe bien. Christian, Kangourou 33, tu nous écoutes, là, derrière. Voilà, je t'ai grillé. Et on te laisse une petite place. Vas-y, rentre. Ok, Kangourou, ben, je t'entends vraiment à peine, c'est du QRP là de mon côté. Alors dans le QSO, là pour le moment, il y a Eric qui est sur au sud de Bordeaux. Il y a Jean-Paul qui est sur le secteur de Saint-Émilion.
Il y a Florian qui est, si je ne me trompe pas, Eric, au sud-est de chez toi. Voilà, bon, pour le moment, voilà, on est que ça. Petit à petit, les jeunes vont rentrer. Il y aura peut-être Chameau, lui, il est au pro, donc je ne sais pas s'il sera là. Puis bon, on verra bien au fur et à mesure. De toute façon, le QSE est ouvert. Tout le monde peut y venir, il n'y a pas de problème. Retour de micro sur Jean-Paul. Si tu arrives à entendre Christian, c'est-à-dire Kangourou 33. Retour Jean-Paul. Ouais, ok. Bonjour Kangourou 33, si tu m'entends, moi je t'entends pas. Je t'entends pas, pourtant j'ai mis le deuxième point en pli. Alors j'espère que toi tu m'entends, mais avec les bonnes amitiés, les bonnes 73, bienvenue bien sûr, mais je ne te copie pas du tout, voilà, je sais pas, bon alors il va falloir que je change de poste et d'antenne, parce que là j'entends pas grand monde de ce côté, je sais pas d'où il est, tu n'as pas signalé de quel côté il était lui, donc voilà, donc je te retourne le micro. Ok, alors, je te donne son QTH de suite, il a marqué Bordeaux, voilà. Ok, Eric, bon, toi, tu dois l'entendre, puisqu'apparemment, Christian, Kangourou 33 est sur Bordeaux. Retour, Eric. Ok, j'invite à Kangourou 33, QTH Bordeaux, apparemment, c'est j'ai compris, retour à toi, Kangourou. Ok, 70 km au sud de Bordeaux, c'est ça? Ah, c'est même. À 5 solide. Ah, j'ai pas compris. Il est à côté de Langon. Voilà, ok, maintenant j'ai compris. Non, mais j'ai regardé, j'espère que je ne me dis personne. C'est ça. Ok, enregistrer le break. Oui, voilà, il est à soi. J'ai regardé son profil, il y a marqué Bordeaux. Alors attends, Bordeaux. Je sais plus, j'ai enlevé la page. Non, il est 70 km au sud de Bordeaux. Il est du côté ou au sud, je sais plus, de Langon. De ce côté-là, pas très loin des Landes, apparemment. Ok, d'accord, bien reçu, il n'y a pas de souci. Mais moi je l'entends, mais tout petit. Alors je sais pas, je vais mettre un peu de d'épinards hein, pour voir si lui m'entend. Alors les bonnes 73, les bonnes amitiés à toi. Et moi je te reçois, mais alors tout petit, dans les bonnes 5-6 millions. Il y a quelqu'un qui s'est signalé. Ok, vas-y, fais les rentrer. Hein. Moi aussi, c'est pareil, c'est peut-être la même personne. Vas-y, Eric, fais les rentrer. Oui, 7351, la station, là, qui veut rentrer, en avant. La station là, qui s'est signalée, 1173. Il était en train de parler, Eric. Oui, la station, peux-tu me revenir, s'il te plaît, 14... Rudy, j'ai cru comprendre. 14 RDX, je crois. Je sais plus, j'ai pas bien compris. Les 73-51, la station de 14, Oscar Delta Romeo 002, QRZ local, Dandy 33, opérateur Rémi, sur le secteur de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. De retour, la station. Ok, pas de problème, QTH, barrière, alors 14 Foxtrot Delta X-Ray 135 Rudy, depuis barrière de Bigorre. Là, hein, non ?
Bannière de Bigorre. J'ai la langue à fourcher, moi. Ok, ben là, c'est du grand local, là, qu'on fait, là. Les 2113, 51 à toi, retour de micro sur Jean-Paul. Bon, apparemment pas trop. Eric, est-ce que tu arrives à entendre Rudy, là, qui est sur Bannière de Bigorre? Négatif pour moi, c'est des négatifs. Les 73, Rudy, si pas si tu m'entends, les amitiés 14, Victor Hugo 27, l'opérateur Eric, le sud de Bordeaux, Ville-la-Normand, voilà. Retour, Rudy. T'as enregistré le break 2 secondes et on a Bannière de Bigorre là en fréquence. Ok, pas de problème. Et on a atteint une autre station là qui vient d'arriver. Petit passage vite fait de sa part, donc je vais de suite lui retourner le micro. C'est 14 Oscar Delta Romeo 007, opérateur Florent, QRZ local Chameau, qui est sur le secteur de Castille-en-la-Bataille. Retour du micro, Florent, pour l'ensemble du groupe. Il y a un peu de monde là ce soir. Ok, monsieur. Entrée de tout le monde, désolé de ne pas avoir briqué, je pensais qu'il y avait personne, j'entendais personne là, donc du coup j'ai lancé un appel, voilà, mais c'est pour ça que j'ai pas briqué, je croyais qu'il y avait personne, donc désolé à vous tous, voilà, je viens de me chercher du café dessus, les bonnes 73 de tout le monde, voilà, et je peux rester moi juste à 22h05, voilà, pas plus, parce qu'après j'ai ben, plein de choses à faire, quoi, du coup, voilà, bon, du coup, ben, j'ai entendu que toi, Rémi, y'a qui là, au QSO? Bonjour, Florent de Jean-Paul, et puis bisous à madame. Bon, si Jean-Paul, 73 Jean-Paul, ok, pas de soucis, j'y ferai pas, madame, j'y ferai pas, pas de soucis. Ok, retour, Zandy. Ok, oui Jean-Paul, est-ce que tu arrives à entendre Bannière de Bigorre là maintenant? Est-ce que ça va mieux de ton côté? Oui, je l'entends faiblement, mais je l'entends, mais pas pour faire un cuisson, il faudrait que je tourne la directive vers lui, change de poste encore, l'oreiller, parce que bon, il n'est pas réglé sur cette fréquence, hein. Il n'est pas réglé sur cette fréquence, donc après, enfin, je fasse un tune pour me régler, alors c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, mais je l'entends un peu trop petit pour faire une conversation dite de ce nom. Je ne sais pas si Eric l'entend bien, mais moi, c'est personnellement, c'est juste. Voilà, retour Eric. Ok, 73, ça va. Je t'entends pas, désolé. Ouais, c'est normal que tu n'entends pas, vu comment il est garé, il doit avoir du tos en même temps, car là il est pratiquement contre un bâtiment, pas mal de ferraille autour de lui, donc ça lui coupe. Là ça lui fait un peu, sur une partie un peu cage de Faraday, et puis donc là c'est normal que ça passe pas, quoi. Et c'est normal qu'il n'entend pas grand monde non plus, quoi. Retour Florent, essaie de gueuler un peu plus fort dans le micro Florent, montre-nous que t'as une grande gueule, ha ha ha, chie. Ok, donc là, mais je sais pas, j'ai augmenté le parleur un petit peu, voilà,
Et puis, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. J'ai entendu un petit peu Eric, mais j'ai distingué sa voix sans comprendre ce qu'il avait dit, voilà. Du coup, le bon 73 Eric, voilà. Puis après, il y a une autre station avec qui vous discutez que j'entends pas par contre, voilà. Donc, si tu peux que l'aspect d'un dit là pour Eric, voilà. Ok, ben oui, c'est bien ça. Hein. Chameau, il a quelques soucis là pour entendre du monde. Voilà, il est mal placé, il peut pas bouger. Il est au pro et c'est pas évident là pour lui. Donc oui, je retournais là du côté de la bannière de Bigorre. Donc en plus, l'OM de la bannière de Bigorre, il est en mobile. Alors là, c'est un exploit. Là c'est un exploit, je serais bien curieux de voir un petit peu le matériel. Rudy, quand tu dis que tu es en mobile, j'ai pas bien compris là, du côté de l'aérien, est-ce que c'est du genre ML145 ou carrément une antenne de fixe de monter sur le push? Retour Rudy. Ah, ça passe plus de mon côté. Il a peut-être pas entendu, hein. Il a peut-être pas entendu, mais je voudrais que tu arrêtes de me casser mon aiguille, là. Elle est en train de se tordre, là. J'arrive pas à bloquer en bas. Voilà, donc, vraiment, retourne à Eric, il faut qu'il entende. Ah, la bannière des Bigorre, tout à l'heure, je l'entendais, je soupçonnais un peu, mais là, c'est vraiment. J'ai plus rien pour le moment, hein. Ouais, c'est pareil, je l'ai perdu aussi. Ouais, et moi je l'ai perdu aussi. Bon, on a eu un petit coup de propague. Moi, c'est déjà pas mal. Ah oui, parce que Bagarre de Bigorre, c'est bien déjà. Hein. Ah oui, là c'est une première, là, dans le QSO. Là. En mobile, il faut déjà le faire. Faut déjà pouvoir parler. En mobile, remarque. Si c'est mis sur un petit coteau, il n'y a rien de trop impressionnant, mais il faudrait un petit peu de propagation, peut-être que le temps se lève un peu pour qu'on puisse converser avec lui correctement, mais là c'est un peu juste. Hein. Bah, hey, quand même, depuis les Pyrénées jusqu'au nord-est Gironde, il y a quand même un sacré bout de route, hein. Je veux pas dire, mais bon, c'est il faut oser là quand même. là, on est en train de laisser quelqu'un un petit peu de côté. Je voudrais faire un retour sur Christian, Kangourou 33. Es-tu toujours parmi nous? Ok, d'accord, là je t'entends vraiment à peine, on voit que tu es loin. Dommage que tu peux pas mettre plus de puissance, car je t'aurais bien demandé un petit peu là tes conditions de trafic de ton côté, mais c'est vraiment difficile là à passer là jusqu'ici. Eric, est-ce que tu arrives à mieux entendre Christian Kangourou 33 là de ton côté? Ouais, y a pas de souci, vas-y Kangourou. Oui, que tu m'as dit que tu sortais le diesel de droite actuellement, mais je passe. Ouais, j'ai cru entendre un président Lincoln, mais c'est tout. Hein. Ouais, c'est vraiment léger, léger là. C'est pas vraiment comme petit peu de droite. Et j'ai l'impression que tu as un petit peu décalé aussi, non? Je sais pas, c'était l'impression que j'avais. Vas-y, reviens autour, toi.
Ok, voilà, j'étais en train en même temps de faire les réponses là sur sur internet. Ok, voilà, c'est bon. Ok, le 12 mars, là j'en profite pour remettre ça. Il y a le, justement, ça tombe bien puisqu'il y a du monde. Donc, Kangourou 33, Rudy, le 12 mars, il y a le salon radio, le salon, la brocante radio à Sestas. Voilà, nous y serons là toute la matinée, ça c'est sûr. Il y a Eric, il y a pas mal d'OM, il y a Pascal sur Facebook, Pascal Max qui descend du département 77. Il y aura pas mal de monde justement là, que ça soit côté enfin pas mal de monde, j'exagère peut-être un peu, mais bon, il y aura du monde aussi bien du côté forum que du côté internet là qui vont venir justement à la brocante. Alors pour ceux qui veulent faire des affaires, parce que j'en ai vu déjà pointer leur nez de ce côté là il vaut mieux arriver à l'ouverture le matin, hein. Là ce sera vraiment le bon moment là pour faire des affaires, parce qu'après il n'y aura plus rien, hein. Je dis ça parce que j'en ai repéré quelques-uns sur internet qui ont bien l'intention là justement de mettre main basse sur des trucs là assez intéressants, quoi. Ok, pas de soucis, Dani. Écoute, je serai en vacances le 12 mars, je crois, là. La semaine du 14 mars, je serai en vacances. Donc après, je sais pas quand est-ce que ce sera, quoi. Eh bien, le 12 mars, c'est un samedi, voilà. Donc, on décollerait le 12 mars de suffisamment tôt le matin. D'ici là, on verra pour s'il faut récupérer Daniel Senteur, 14 ODR 064. Parce que bon, lui, il a un petit souci. Il faudra que quelqu'un puisse le récupérer au passage. Et on a prévu le midi, pour ceux qui seront d'accord, qu'on aille quelque part, un self, n'importe quoi, là, faire une petite bouffe entre nous, quoi. Ok, mais écoute, avec plaisir. Si c'est la semaine du 14, il n'y a pas de problème. Je sais que la semaine du 14 mars, je serai en vacances. Donc, le samedi, tu m'as dit que c'était un samedi, mais je ne sais pas si c'est la semaine du 14 mars. Voilà. Mais sinon, ouais, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Alors, attends, Arnaud. Attends, Arnaud, je sais pas si c'est nous que tu entends. On te laisse une petite place. Arnaud, si c'est toi qui viens de répondre là sur le forum, vas-y, rentre. Non, Arnaud, en USB. Alors attends, que je lui marque. En USB. Voilà, ok. Voilà, vas-y, Arnaud, si tu m'entends, là, vas-y, lance un appel en USB. Oui, enregistré, les 2073-51, Arnaud, content de te compter parmi nous. Voilà, tu as loupé quelque chose tout à l'heure, on a eu un OM, là, de Bagnères de Bigorre, là. Voilà, donc, il y a Arnaud qui vient de rentrer, là, dans le QSO, si c'est bien lui que j'entends derrière. Il est en même temps en parallèle là, sur le chat du forum. De retour Arnaud. Je crois que c'est Arnaud. Ben, je sais pas, j'ai encore un doute. Ah tiens, voilà, j'ai entendu parler. Hein. Il n'y a aucun problème, là, ça passe bien. Voilà, donc,
51 Jérôme, les amitiés 14 Victor et Corel 7, l'opérateur unique. Voilà, retour Jérôme. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, les 213-51, Jérôme 14 Lima, bravo. 024 de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi QRZ local d'Indy 33. Voilà, donc dans le QSO, nous avons Eric 14 Victor Eco 27, qui est sur le sud de Bordeaux. Jean-Paul, que tu viens d'entendre à l'instant, qui est sur le secteur de Saint-Émilion. Florian, qui est au sud-est de chez Eric. Si je ne me trompe pas, Kangou 33, qui est 70 km au sud de Bordeaux, 14 FDX 135 Rudy, Bannière de Bigorre, et c'est déjà pas mal. Voilà à peu près là, les OM là, qu'il y a là, dans le QSO là, pour le moment. Peut-être que d'autres arriveront encore là, au fur et à mesure. Voilà, retour du côté de Eric, je ne sais pas si tu arrives à sortir Jérôme. C'est vraiment difficile, c'est petit, petit, Jérôme, je ne sais pas si tu m'entends, c'est 73-51 à toi. Hein. Ok Jérôme, tu as les 73-51 de Eric, hein, c'est-à-dire 14 Victor Eco 27, là, qui est sur le sud de Bordeaux. Hein. Je l'ai perdu, moi. Ben moi, je l'attends de plus en plus, c'est pour ça que j'ai rappelé derrière. Jérôme, est-ce que tu es là pour le QSO? Pour l'ensemble des QSO, j'envoie la ton écoute. Non, je n'entends pas, donc je retourne le micro, puis ma foi, et je suis. Ok, donc. Voilà, je finis par avoir paraître un petit peu de cours. Jean-Paul, est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu veux parler? Parce que là, je manque un petit peu d'inspiration là sur le coup. Je sais pas au niveau matériel. Voilà, ça y est. Le RC, là, tout à l'heure, c'est toi qui as coupé net ou tu as eu un souci hein? Alors, c'est moi qui change de poste, vu qu'Eric ne m'entendait pas trop bien. Donc, j'ai changé de poste, j'ai pris les coms de service, les coms que je me sers tous les jours. Voilà, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-là. Donc, j'ai pris les coms parce que j'ai une meilleure émission dessus et ma foi, je pense qu'il passe pas trop mal, malgré que la tête soit un peu trop basse. Il va falloir la remonter, c'est prévu de la remonter à une dizaine de mètres, mais pour l'instant elle est à 7 mètres, elle est un peu basse, mais bon, ça passe quand même, hein. Ça arrive à passer quand même. Voilà, alors c'est moi qui ai décidé d'enlever le poste, de couper un poste pour en mettre un autre. Et je pourrais couper celui-là et dans les 30 secondes, je pourrais moduler avec un autre poste. Voilà. Donc celui-là, tout le monde m'avait dit, oh, c'est pas tellement bon, et comme c'est pas tellement. Mais je vois pas la différence entre un Kenwood par exemple et un Icom. Je trouve que la réception de l'Icom est quand même bien meilleure et question bruit, il est beaucoup mieux filtré que le Kenwood. Voilà, donc voilà, c'est moi qui ai décidé de changer de poste. Ok, non mais c'est vrai que là sur le coup ça a fait bizarre, on a cru que tu avais eu un problème matériel. On s'est dit merde, déjà, on comprenait pas trop sur le coup. Là, tu parles d'ICOM, je me souviens en 89. J'ai un OM à l'époque qui m'avait prêté justement un ICOM 730. Et c'est vrai que c'est du bon matériel quand même, ça marche bien. Hein. Oui,
je peux dire que ça marche très bien. Bon, moi je l'ai acheté, il était en panne, enfin il était en panne sur cette bande-là. Bon, nous on va continuer le QSO, la vidéo s'arrête là, voilà, on ferme la vidéo. Bonne 73-51 à tous, merci de nous avoir suivis et à bientôt, nous on continue le QSO.